Ça remonte à pas mal d'années finalement, parce que quand j'étais gamin, j'avais vraiment envie de, soit de venir remplacer Kirk Hammett, qui est le guitariste de Metallica, soit faire ça comme boulot, soit devenir acrobate de cirque. Tu vois, genre les espèces de planches comme ça, les pendules où les mecs ils font 50 000 saltos et tout. J'aurais voulu faire ça quand j'étais gamin. Soit guitariste de Metallica. Guitariste de Metallica, c'était pas possible capillairement parlant. Le cirque, aujourd'hui j'approche un petit peu parce que j'ai décidé pour fêter ces 10 ans d'intégrer une équipe qui a été choisie par Bernard Cudlac, donc qui est le metteur en scène du Cirque Plume. C'est lui qui a fait une espèce de casting, qui s'est dit, ben voilà, je vois à peu près tes chansons, je vois ce que ça donne sur scène, comment ça se passe, je verrais bien un circassien qui s'intègre un peu comme ci, comme ça. Et donc lui, il a choisi une équipe et tous ensemble, on a monté ce spectacle qui est pas un spectacle de cirque, mais qui est avant tout un concert, mais qui est une espèce de fusion en fait, où les deux univers, la chanson et le cirque, entrent un peu en résonance et on s'amuse beaucoup avec ça. L'idée, c'était d'éviter l'écueil de la chanson derrière quelqu'un qui jongle ou qui fasse des toupies ou enfin un truc. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller dans le cirque et que le cirque aille aussi soit dans le concert vraiment. Je m'éclate complètement, c'est vraiment épanouissant parce qu'en plus je fais un peu de cirque, ils m'ont appris deux trois cascades sommaires, hein, mais j'ai deux trois trucs, j'en ai une nouvelle là dernièrement depuis deux dates là, un nouveau truc. Mais voilà, ouais, c'est très jouissif comme concert quoi, c'est vraiment génial. Merci à vous.